C'est un procès dont nous attendons aussi, au nom de la mémoire des victimes, que justice soit dite, que la vérité des faits soit établie de façon judiciaire. C'est aussi un peu contribuer à la mémoire commune du Chili, car nous savons combien ont été difficiles la reconnaissance par une partie de l'opinion publique chilienne de la vérité des faits. Ce procès sera de toute façon non seulement le procès de la répression, de la dictature chilienne, de la façon dont elle a été organisée, mais également post-mortem de Pinochet.